La ville de Lyon a présenté aujourd'hui sa nouvelle offre de restauration scolaire qui sera mise en place dès la rentrée prochaine. Ce soir, c'est Amélie Duchamp qui va vous expliquer ce que vos enfants auront donc dans leurs assiettes à partir du mois de septembre. Amélie, pour faire simple, la ville mise sur le bio et le local. Oui, 50% de local et 50% de bio, c'est l'objectif de la ville pour la rentrée 2022. Alors cet objectif, il est évolutif. D'ici 2025, la ville table sur 75% de bio pour atteindre les 100% à partir de 2026. Autre nouveauté, à la rentrée prochaine, les parents pourront choisir entre deux menus, le menu petit pouce et le menu petit bouchon. Dans le menu petit bouchon, il y aura deux repas avec viande par semaine et deux autres repas végétariens. Et dans le menu petit pouce, vous l'aurez compris, ce sera quatre repas végétariens, les quatre repas de la semaine. La ville mise aussi sur le fait maison. Les cuisines centrales pourront faire des plats, de plus en plus de plats, pour éviter les plats transformés et suremballés. 100% des gratins et des purées seront faits maison. 60% des pâtisseries. Écoutez Gauthier Chapuis, il est délégué à l'alimentation locale pour la ville de Lyon. Le plan s'accompagne d'un grand investissement de 4 millions d'euros sur la cuisine centrale qui va nous permettre de faire par exemple des compotes avec des fruits qui n'ont pas forcément de calibrage. Ça va nous permettre de cuire en fait des légumineux et des légumineuses pour avoir de vrais repas faits en cuisine centrale et non pas transformés ou achetés transformés. On a plus de diversité sur les farines avec du petit épeautre, du seigle pour le pain, 90% de viande locale, 100% de viande française et qui sera labellisé label rouge ou agriculture biologique. Les poissons, eux, ils seront labellisés pêche durable, la volaille plein air. Le bien-être animal sera aussi pris en compte. L'idée, en fait, c'est de limiter au maximum l'impact environnemental et de prévenir les maladies des enfants, l'obésité en tête. Et tout ça sans changer le prix payé par les parents de 80 centimes à 7,50 € en fonction des revenus. Merci Amélie pour ces précisions.